Rien, cela fait maintenant 10 jours. 10 jours et depuis plus rien. 10 jours que tu n'es pas sorti, ton frigo est vide, pas de vaisselle de fête, tu entends du bruit incessant qui te martèle la tête. Tu as peur, tu as mal. 10 jours que tu n'as vu personne, personne à qui parler. 'Ça ne peut pas continuer comme ça. Sors de là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es folle. Va voir ton psychiatre. Vous n'en souffrez pas, même si vous vous sentez protégé. Allez, réponds, réagis. Chez vous, il vous est là pour t'aider. Vous n'en souffrez pas d'être toute seule, de ne voir personne. C'est pas difficile. Si. Vous savez, à côté de chez vous, il y a un CATTP. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? Ça ne vous dit rien? Non. Un CATTP. C'est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. C'est un centre de jour où des personnes sont accueillies, accompagnées d'infirmiers, d'infirmiers en psychiatrie, voilà. Des personnes qui ont des difficultés diverses, qui peuvent aussi avoir peur parfois des autres, qui peuvent être inquiètes. Et donc, vous pouvez y aller à plusieurs reprises dans la semaine, après. Un petit peu comme vous voulez, on peut vous proposer des activités. Et puis surtout, c'est un lieu où on ne juge pas vos difficultés, on vous accompagne. Vous en aviez déjà entendu parler? Est-ce que ça vous dirait d'y aller un jour? Ne serait-ce qu'une première fois peut-être pour voir à quoi ça correspond? Moi, je pense que c'est un endroit qui pourrait vous aider, à la fois à sortir un petit peu de chez vous, et puis d'être dans un endroit pas forcément trop difficile, avec des infirmiers avec lesquels vous pourrez discuter, puis d'autres personnes qui sont là aussi pour leurs difficultés. C'est la solution, ils ne vont pas te faire de mal. Est-ce que vous aimeriez essayer d'y aller un jour? Allez, vas-y, championne. Vas-y, Camille, courage.
plein de vin. Attends, attends. Tout va bien, tout va bien. Ne t'inquiète pas, personne ne se moque de toi. Tu n'as pas mis ton pull à l'envers, tu n'as pas une tête de clown, tout va bien se passer. Quel accueil! Bonjour, vous êtes là? C'est Camille, c'est ça? Non, je suis Ghislaine, je suis une des infirmières du CFPP, mes collègues m'ont prévenu. Tu vois, tu es attendue. Tout va bien se passer. Voilà, je vous présente Camille qui va venir avec nous. Venez Camille. Donc là, c'est la salle où on fait les jeux de société. Hein, il y a la cuisine également. Vous pouvez rentrer Camille. Justement, on allait démarrer une partie de Rummy Cube. Voulez-vous participer? Je ne sais pas jouer. On va vous expliquer les règles. Elles sont très simples. D'accord. C'est très amusant. Donc pour démarrage, il y a deux façons de poser le pion. Soit des séquences dans le même chiffre. Là, vous avez le mot que Oui, Camille, je voulais te demander, ça te dérangerait pas qu'on échange nos numéros de téléphone? Non, du tout. Comme ça, ça nous permettrait de peut-être de nous voir en dehors du CATTP, si tu veux, aller se promener ou bavarder toutes les deux. Ça ferait plaisir. Oui, bah, moi aussi. Je vais te donner mon numéro de téléphone, d'accord? Oui, je vais te donner le mien aussi. Oui. Très bien Camille, bah, écoutez, je suis contente de voir que vous allez mieux. On se revoit dans un mois si vous voulez bien. D'accord. Très bien, on est parfait. Je vous remercie. Je vous en prie, je vous en prie, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu chantonnes, la vie est belle.
ça va? Ben moi ça va bien. Ah moi il fait beau aujourd'hui, c'est une belle journée. Tu veux aller où? Au jardin des explorateurs? Mais ça se trouve où? Derrière cet ETP? Ah ben t'es contente? Ah oui. Camille. Bonjour Sandra. Va bien? Oui, et toi? Oui, je vais te faire visiter le jardin, tu veux? Je veux bien, oui. D'accord. Trouver le silence qui nous sauvera, qui recréera l'ange. Faire comme si la chance enfin se tourne et nous brûler les yeux. Courir, courir à travers le temps qui nous est compté. Maudire les instants qu'on voulait voir enfin se consumer. I want you tonight. Every day help my mind. I want you tonight. Tonight, every day help my mind.